Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry ce soir. On est au taquet ce soir. Le chat présent sur Twitch à côté de vous. Enfin, à côté de vous. Là-bas, là. Il vous dit coucou, il vous dit coin-coin, il vous dit coin-coin. Coucouin. Coin-coin, cou aussi. Et ben, il va voter pour le futur copain de Céleste puisque, bah, la dernière fois, on a fait un petit benchmark là sur savoir ce qu'il y avait de potable. Ce soir, on attaque parce que c'est dans les conditions de la génération bleue. Il faut qu'elle soit déjà avec un chéri en tant qu'adolescente pour rester à la vie, à la mort avec. Sous réserve d'une petite tromperie, là, pas si par là, là, une fois adulte. Mais pour l'instant, c'est objectif chéri. Voilà. Vu que c'est notre petite Céleste qui avait gagné l'élection, tout simplement. Donc, on va continuer avec elle, hein, la petite biche, là. Enfin, la petite biche. Et je sais plus, du coup, qui en avait pris. Alors, elle est... Nila devient... Ah, bah, elle va devenir adulte aujourd'hui, elle pourra dégager de la maison. Et puis, quand notre petite Céleste deviendra également jeune adulte dans 6 jours, donc ce sera pas aujourd'hui, peut-être la semaine pro, on pourra passer à la génération bleue entièrement, et c'est-à-dire aussi déménager à Soulani, parce que génération bleue, la mère Soulani, voilà. Salut Anne, comment vas-tu? Et bonne rediffusion du samedi. Oui, si j'oublie pas de la mettre, hein, parce qu'en ce moment c'est un peu une cata, moi. Moi et les horaires, pouh. Mais genre samedi dernier, c'était prêt et tout, et puis genre j'ai pensé en plein milieu d'après-midi, je fais... Oh, mais attends, j'ai pas mis la note Soberry à 13h comme d'habitude. J'en fais plus. Mais moi, c'est une catastrophe. Hein. En ce moment, j'arrive pas. On va avoir de la romance ce soir. Mais oui, ça sent la mûre. Et oui, la mûre, la dure, le dur, la mûre, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Alors, Guillaume, bah non, parce que c'est son cousin, Pierre. Mouais. Oula, oula, Laurent, il a l'air spécial, hein. Patrick Camberge. On avait tout ça? Ou alors c'est des nouveaux? Gabriel, un petit rouquin. Ah ouais, je crois qu'il était pas terrible, hein. Alexandre Richard. Bon, on va... Ah oui, il y avait Yann. Ah, il y avait Hugues Calor, j'avais oublié celui-là. Pourquoi on avait flirté avec? Je me souviens même pas. Et Logan, Sean, Eric. Ah, il y a quand même du matos, hein. Bon. Il y a du matos pour draguer. Et sa sœur. On l'avait pas encore casé, hein. Ah bah. Direct à l'école. Bah écoute, vous mangerez. Oh là là, oh là là, elles ont l'air heureuses de vivre. Oh, mais elle a pris du poids, Nila. Ou c'est moi? Oh, qu'est-ce qui m'énerve à renifler. Ah, Nila, elle pue. Regardez, sa sœur, elle s'éloigne. Elle dit, non, mais là, Eh, tu refoules des aisselles, ma cocotte, hein. Moi, je te connais pas, hein. T'es pas ma sœur, hein. Elle est partie vraiment loin, genre, ah, non, mais tu pues. Ah, quelle honte. Bon, alors, du coup, pouf, pif, paf, elles vont faire... on peut faire des amis. Oula! Ah, c'est vrai qu'elle devait avoir des ennemis. Il y en a deux qui sont morts quand même. Ah, bah lui, il va pas tarder non plus. Pierre. Oh, j'ai encore oublié les portraits de pommes! Mais je vais finir par oublier ma tête quelque part, moi. Qu'est-ce qui se passe? Ma petite fille est née ce matin, 6h. Ah! Bah c'est cool. Elle est sortie du four. Allez, bravo pour la sortie de four. Et en plus t'es devenue mamie. Bah c'est merveilleux. C'est à dire que tu auras la chance ou la malchance de profiter d'un enfant sans devoir l'élever à H24. Le fouet pour toi. Ouais, pas. Pourquoi pour moi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah oui, pour les portraits. Ah bah oui, mais tu sais bien que j'ai pas la tête où il faut, moi, en ce moment. Je n'arrive plus à penser. On a une mamie parmi nous. Bah, il y avait déjà Mamie Yoda, hein. Vous l'oubliez, Mamie Yoda, hein. Non, mais... Dory.
croûte. C'est tout ce que j'ai à dire. Elle s'appelle Lou. Oh, c'est mignon. T'as oublié les portraits. Mais elle, oui, bah écoute. Elle est pas encore morte. Donc ça, c'est, ça va. Au final. Regarde. De toute façon, il n'y a plus de place sur ce mur. C'est merveilleux. C'est vrai que... Ouais, non, j'ai envie d'en rajouter un. C'est pom-pom, quoi. Quelle belle brochette. C'est long, quand même, le Notes au Berry. On va pas se le cacher, hein. C'est que ça fait un bout de temps qu'on a commencé, maintenant. Elle est bien morte et enterrée, celle-ci, hein. Ah... Bordel. Oh, pulcote. Nunu. Lila. Cop cop. J'aime bien ce qu'ils ont tous des surnoms à la bien naze. Chamalaou. Pourquoi c'est... Etoyat. Magnifique. Que de mal. Que de mal. J'aurais jamais eu un challenge avec autant de mal en héritier. Contre mon gré, la plupart du temps, mais... Et là, ma fille n'a pas encore trouvé le bon géditeur. Ah, t'inquiète, bon, je le trouverai. Pas tout aussi, ça. Et moi, je suis mamie. Bah voilà, comme ça, on en a plusieurs. On peut refaire un tour des portraits. Ah bah voilà. Tu vois, hein, même pas besoin de demander. Hein. Moi, je m'exécute. Tableau. Bah c'est des photos, ça va. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est dans le même environnement, c'est le même fond. Attendez, je vais vous montrer quand même. Sauf Lila. Lila, elle a Soulani en arrière-plan parce que c'était une photo de son mariage et vous kiffiez plus cette photo-là que la photo avec les arrière-plans comme des autres. C'est pour ça. Voilà. Youp, comme ça. Sinon, c'est le même arrière-plan, sauf que je sais déjà plus où c'est. C'est pour ça, en fait, j'ai failli le faire plusieurs fois, Pomme, mais je retrouve plus dans quelle partie où j'ai foutu la famille avec l'arrière-plan comme ça. Ah oui, parce que c'est sur une autre partie. Et je sais plus. J'ai plein de parties et je sais plus où je l'ai foutu. C'est pour ça que je galère. Ah ! Tu vas pas nous clamser sur le parquet, toi, hein ? Presque combien de temps ? 7. Oh, ça va. Tu vas encore nettoyer les chiottes en attendant. Qu'est-ce qu'ils boivent les deux là, bande d'alcooliques? Un rich port et un film muet. Un film muet, d'accord. Cop cop et cham cham, le sang de la veine. Celui qui bouchait toujours les WC. Ah, qui sont gentils sur ce chat, hein. N'hésitez pas, YouTube, à venir nous rejoindre si vous aussi vous êtes gentils. Ou alors, même si vous êtes méchants, hein, ça donnera un peu plus de sel. Ça va être bien. Moi, j'aime bien quand il y a des gens un peu méchants sur le chat. Rrr. Rrr. Non, disons que des fois, il y a des trolls qui débarquent. Ils pensent que... Ils sont un peu casse-cou. Pas en étant casse-cou, ils ont casse-cou. Ils essayent de titiller pour machin et tout, sauf que ben, je les laisse parler en vrai. Moi, tant qu'il n'y a pas d'insulte. Voilà, je les laisse. Il parle pas beaucoup comme ça, mais avec son cocktail, il va être pire. Peut-être. Voilà, ils font leur vie, hein. Ouais, on les a toujours pas mariés d'ailleurs. Psi, psi, psi. Ah, puis ils vont devenir des vieux grabataires, hein. En même temps, ça fait un moment qu'on a terminé la génération verte, hein. Ouais. Puis ils vont devenir vieux quasiment en même temps. 9 et 8 jours, donc ils vont crever à un jour d'intervalle. Ça va être sympa. Ça va être 3 jours de deuil pour Céleste. Cool. Surtout s'ils sont sadiques, Amity. Bon. Calusi. Bonjour le voisinage. Est-ce que j'ai entendu le bruit de quelque chose qui brisait? Oh là là, aimez-vous, je vous aide. Non. Comment ça? Qu'est-ce que tu fais?
Ah, c'est ça qui est cassé? Mais c'est... Mais tu te fous de ma tronche, toi, un peu? C'est toi qui en fous plein par terre et après tu râles parce qu'il y avait des trucs par terre. Oui, bien sûr. Une pièce de robot. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc là, quand les filles rentrent, eh ben, on va faire venir tous les garçons qu'elles ont dans leur calepin et puis on va choisir. Oh, tu es belle, ma pom-pom. Quelle jolie robe. Ah là là. Patrick! Voilà, elles sont rentrées de l'école, les biches. Regardez-moi ça, avec ça, avec son bras tordu, là. Comment elle... Attends, comment elle fait ça, elle? Comme ça? Je sais pas, j'ai l'impression que sa main était à l'envers, mais non, c'est bon. Ah là là, est-ce que ça sent bon, hein? Quelqu'un a pété, hein? Bon! On va bouffer un coup. Ah non, c'est vrai, il faut qu'elle aille à la cuisine. Cuisine, servir le déjeuner, défaut sandwich BLT. Faut qu'elle ait 10 en cuisine. Donc, faut qu'elle mette la main à la pâte dans la cuisine. Et après, on appelle. D'ailleurs, toi, tu fais quoi? Oh, la vache! Mais tu t'es chié dessus? T'es dégueulasse! Alors, non, ta fille va se débrouiller toute seule pour se laver le cul. Hein. Tu peux y aller là. Pas contente, oui. J'en ai marre, hein. Non, c'est pas vrai, ma place n'est pas la cuisine, hein. Salut la brique, comment vas-tu? T'as pas besoin de lunettes, Charlie, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Y'a un truc que j'ai pas bien vu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Cuisine! Cuisine! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Putain, elle a besoin de s'amuser. Wiki! La meuf, elle s'appelle Wiki! Et c'est pas un fake, hein? À la position de sa main. Ah oui, pardon! Ouais, non, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle était tordax, moi. Comme, apparemment, comme mon cerveau, hein. On va inviter tout ça. Invite-moi tout. Alors malheureusement, faut des mâles hein, pour la fécondité, tout ça. Ah! Ah! Attends, quoi? Alors... Oh! Ah! Oh! Invite-moi tout ça. Ah! Lui aussi, il est dans le coin. Punaise, ça en fait. Hein. Ouais, trop de choses. Il y a trop de monde. Il va y avoir une myriade de bonhommes. Ça va être terrible. J'ai l'impression que la fille aînée se néglige, dépression post-défaite. Mais elle s'est même pas bougé le fion! Elle a même pas essayé de nager. C'est ça qui est triste. Ah, parce qu'il y en a... Tiens, fais discuter, ils vont venir, non? Voilà, discuter. Parce que... Ah! Ça. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Verrouille la caméra. Oui, il est là. Ah, elle peut pas appeler. Et lui? Elle peut pas l'appeler non plus. Qu'est-ce que t'es en train de draguer, toi, là? En plus, elle t'envoie bouler. Oh là! Oula! C'est quoi ce. Alia! Kahanahan! Ouais. Je suis même pas sûre qu'il y a assez de A dans le Scrabble pour pouvoir faire son nom. Je suis méchante. Avitiane, c'est mon Sims. Mais oui, mais je peux pas, il est déjà dans le coin. Donc, faut qu'elle fasse une conversation profonde. Attends, verrouiller la caméra. Lui, il est là. Tu vas faire parler de cuisine. Et... Ah, bah lui, c'est bon, elle peut l'appeler. Ah, ouh. Ça y est, il y en a qui se prennent déjà... Oh, putain. Attends, tu veux... Il y a trop de mecs.
Bon, de toute façon, la plupart vont pas être baisardes, hein. Jolies, je veux dire. Gabriel Tinker. Ah oui, yeux marron. Allez, ciao. Tu peux y aller. J'ai déjà un de moins. Lui, il a un dieu qui veut se taper sa mère. Ça va pas être possible. Yeux marron. Salut. Patrick. Ouf. Alors, Patrick a des beaux yeux. Mais Patrick a peut-être que des beaux yeux. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là, ce look de qualité. Allez, au revoir, Patrick. On n'attend pas Patrick? Non, on l'attend plus, Patrick. Ah, mais lui, on l'avait vu, non? Il me semblait. Oh la... Ah, mais on a dit qu'il était pas beau, il me semble. Alexandre. Alexandre comment? Richard. Il fait partie de ce gang de garçons qui ont un nom, un prénom, un nom. Je crois qu'on avait dit que... Mais arrête de faire des troncs chelous aussi, là, au bout d'un moment. Ouais. Salut Gigi, comment vas-tu? Patrick, il peut pas respirer avec ce nez. Oh là 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 là, ça clash. Oh là là, qui sont méchants dans le chat. Ils sont méchants. Ah bah voilà, il y en a ici. Ah, ah, il y en a un qui est déjà violent, là. Il donne des coups de pied, des coups dans cette pauvre peluche qui a rien demandé. Look. Peluche qui dort, hein, toujours. Alors, le look, c'est une chose. Hein. Et là, nous avons un sérieux problème de menton. De look aussi. Oui. Attendez, il a la petite bague œil ou pas? Non, c'est pas une bague œil, ça. Parce que c'est beaucoup plus drôle s'il y a la bague œil. Les bagouzes, les bagouzes. Magnifique petite boucle d'oreille. T'es moche. Non, pff, j'allais virer le dinosaure, c'est pas ça. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a lui, mais lui, je me souviens qu'on l'avait vu. Il était pas trop mal. Zingambala. Par contre, il a une voix. Il est tout gringalé. Et toi, fais le ménage, en fait, Jean-Claude, là. Au lieu de faire le con dans la poussière. Pardon? Il est en train de draguer sa sœur? Eh bah, on va pas le mettre dans la game alors. Là, là. Ça va, Gigi et toi? Ah non! Si! Ah si si! Ah si si! Ah si si si! Se kiffent là les deux! Ah ouais! Bah c'est le destin, ouais, carrément là, ça c'est pas moi qui... Là, franchement, voilà, écoutez. C'est comme ça, ils se sont parlé, ils se sont dit tu es à moi, moi je suis à toi. C'est quoi ça, Robin? Ah non, mais ça c'est le... Lui, il est jeune adulte. Ah oui, mais il était pas mal, mais il était jeune adulte. Oh, et puis bien entamé en plus, hein, le machin. Sinon, ça aurait pas été de refus, hein. Hein? 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 Eh! Eh! Coup de foudre. Ouais, comme Agnès la dentelle la semaine dernière, dit. Tac, tac, tac! Il y avait un petit brin en pull clair qui était bimé la dernière fois. Jeune adulte. Oui, il est moitié de jeune adulte déjà. Eh. Pff, hein? Bon, c'est du gâchis tout ça, moi je dis. Du gâchis! Puis il a déjà deux gosses, hein. Donc, avec qui on sait pas parce qu'il est pas marié.
liste des enfants. Logan Shepard et Bob Shepard. Ah, mais c'est le père de lui? Oh, il y a un petit problème dans la matrice, hein? Et toi... Mais ouais, mais quand ils habitent dans le quartier, finalement, ils peuvent pas venir à la maison. Hein. Il est là. Youg. Je sais pas comment on l'appelle. Je sais pas comment on l'appelle celui-là. Hug. Youg. Je sais pas. Bon, Vanilla a trouvé son mec. Hein. Ah ouais. Changez vos numéros de téléphone. Ah, regardez, ils ont rien en amitié, mais ils ont déjà de sac sa pile entre eux. Brrr. Brrr. Tampax ? Je dis oui. Bah c'est bien, il s'est reproduit. Oui, ils sont vraiment père et fils, je suis témoin. Il s'est reproduit avec une jolie rousse. Bah ouais, mais... Pour avoir un papa jeune adulte avec un adolescent, le mec à peine à 13 ans, il ken quoi. C'est-à-dire qu'à 26, il a déjà un ado. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ma tête, ça fonctionne comme ça. Et ben, mais t'es chiant toi un peu, non? Viens. J'ai l'impression qu'il en manque carrément les trois quarts. Ah, et l'autre, il est où? Lui? Putain. Ah bah il est là! I haven't seen it. Haven't seen him. Voilà, tu vas discuter avec les trois. Je pense que ça va se jouer entre les trois. S'ils veulent bien se réunir au même endroit, ce serait pas mal. Nush. Non, tu restes là. Oui, il a l'air déjà de se faire chier avec elle. Ah, il y avait le petit roux aussi. Ah ouais, le petit roux aussi. Ah ouais, le petit roux aussi quand même. Mais ah oui, on pouvait pas lui parler. La dernière fois, on pouvait pas lui parler. C'est vrai. C'est vrai ça. C'est vrai. Adieu. Si! Ah si, bah, c'est qui est pas venu. Si, je l'ai invité. Attends, c'était lequel? Je pense que c'était lui. Bah si, je l'ai invité, mais... Oula! Arrête de le regarder comme ça, Céleste. Après, tu t'étonnes que... Il se fasse chier avec toi. Si tu les agresses en même temps. Ne laisse pas partir, bah... Écoutez, moi j'y peux rien, il est trop vieux. J'avais bien précisé, adolescent. Hein. Il est là, regardez, il part pas. Il habite dans le coin-coin. Il a déjà deux enfants, voyons. Il a une tête de sucette. C'est quoi ça, une tête de sucette? Ah bah il est là! Oh purée. Je sens que ça va être complexe, hein. Bon, je pense que lui, il peut partir. T'es trop moche. Allez, casse-toi. Nila, elle s'est trouvée déjà un cum, là. Voilà, on va discuter avec lui, hein, va le draguer direct. Ah, et toi tu d'accord. Elle sait plus où donner de la tête. Hein. Bon, écoutez, avant que ça parte en cacahuète, en sucette, on va réunir tout le monde. Réunissons. Je pense que ça fait 4, du coup. Alors, 1... 2, 3, 4. Déjà pas mal. Ah non, mais comme ça, je courrai plus après eux. Ah,
Alors, téléporter un Sims. Tiens, on va mettre... Ah oui, bah ouais, mais je sais plus, moi. Hop. Yann. Et Logan. Ça fait... Ok, j'ai compris. Enfin, je vais en remettre un. On va remettre le blond. Et on va faire des sélections, là. Oh là là, la belle tranchette. Ah non, hein. Tu te remets dans le rang, toi, hein. Ouh, tabarnak. Ah. Putain, ils sont tous sautés. Enfoiré. Ils ont tué notre... Ils ont volé notre recette. Pirate. Alors, tac. 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 On va y arriver. Tac. Et dernier, Logan. Tac. Voilà. Bon, toi par contre, tu vas te changer tes fringues parce que désolé, on voit rien. On voit rien et nous, on veut apprécier le bétail. D'ailleurs, on va apprécier le bétail en mode maillot de bain. Eh, on va pas s'emmerder. Moi, je vous le dis, maillot de bain pour voir tout de suite si c'est de la bonne... De bonne bouffe ou pas. Hop! Allez, tous à poil, ouais! Merde, j'ai cliqué là-dessus, c'est pas ce que je voulais. La pauvre, elle en peut plus. J'en ai marre, je vais, mec! Va la voir, ton mec, t'inquiète. Changer la tenue. Maillot de bain. Oh, oui. Calmez vos hormones dans le chat. Calmez vos hormones, je vous vois là. Du coin de l'œil, je vois que ça s'excite là. Je le vois. Dis donc, il avait un petit tatouage, lui. Il nous avait tout caché. Alors, pas votre code de triche. Je commence à... C'est le cinquième, je sais plus, moi. Le but était de pécho ses fils, pas lui. Bah, le papa, il est quand même très beau gosse, hein. Je connais pas la valeur du deuxième fils, il en a deux, mais là, hein. Ah. Bon. Voilà, maintenant qu'on a un almatos sous les yeux, on va devoir choisir là-dedans. Il y a des petites surprises, j'ai bien fait de faire le petit maillot, hein. Ce défilé de caleçon pour être futur esclave. Mais oui, mais un mâle reproducteur quand même. Pour Soulani, le maillot, c'est essentiel. Tout à fait. La poudre aux yeux. Alors, est-ce que vous pensez que 5, ça fait beaucoup ou est-ce qu'on élimine? Alors, dans ce cas-là, oui, je veux bien qu'on fasse sur les 5. Et ceux qui auront le moins de votes seront éliminés et on refait un vote avec les 3 qui restent. Exactement. Mais Martial, on est connected, qu'est-ce que tu veux? On est magnifiques tous les deux, nous sommes la best team. Alors, apprécions les plastiques, les visages et compagnie. Oh, non, pardon, c'est pas les visages, ça. Le petit blondinet, alors je crois que c'est Eric. Beau profil, beaux yeux, belle chevelure. Lui, j'ai déjà oublié son prénom. Rouquin, son il n'y en a qu'un. Beau gosse aussi, hein. C'est un autre genre. Un peu plus fin de visage. Pardon. Monsieur Calor. Elle a déjà un petit peu dragouillé, mais je sais plus pourquoi. C'était pour essayer de... un truc, je crois, mais... Je vous montre un peu son profile. Le petit Yann, ça je me souviens, qui a un petit peu un côté asiat. J'ai l'impression qu'il a un côté asiat. Mais c'est pas... Et le fameux Logan. Alors lui, bon, yeux marrons quand même. Warning. Warning, hein. Ça ne va pas du tout.
C'est pas grave, je mettrai la couleur des yeux de son père si s'il est gagnant. Sauf pas déconner. À un moment donné, parce qu'il est beau gosse, hein, sinon il serait pas dans la compète. Hein, parce que les yeux marrons, ça va pas du tout. Ah, j'avais dit pas de yeux marrons. Hein. Prénom si tu veux bien. Oui, bien sûr. Ah, bah t'as déjà fait. Le blond dirait Ken. Et est-ce qu'on va le Ken? Attention. C'est parti. Le sondage a été lancé. N'hésitez pas à donner votre préférence pour Céleste. Attention, donc ce sera en deux manches. Donc votez pour votre préf, hein, vraiment le préféré que vous préférez. Et les deux qui auront le moins de votes seront éliminés. Et on refera un tour complet sur les trois derniers éliminés. Ouais, Anne, hein, t'as vu. Hein. J'avoue que j'ai... Mais est-ce que je l'avais... Il me semble que je l'avais vu, mais ça remonte à... loin. Que j'avais vu qu'il avait les yeux marrons. Bah ouais, merde, je pense... J'avais oublié qu'il avait les yeux marrons. Ouais, j'avais dit pas de yeux marrons. Il avait pas les yeux marrons. C'est des contenus personnalisés, ses yeux étaient beaux. Eh ben, malheureusement, le contenu personnalisé, c'est le diable. Ouais, normalement, c'est pas de yeux marrons. Mais je les changerai, hein. Si c'est lui qui gagne, je changerai la couleur. Parce que... Zut. Voilà, c'est tout. Bah oui, mais j'y peux rien, Ruline. C'est que ton CC, Dieu, ben, les rend marrons en jeu. Et là, il y en a plein qui vont se dire, mais pourquoi elle veut pas de yeux marrons? Parce que moi, j'ai les yeux marrons. Et moi, j'aime pas. Sur moi. Et puis, j'ai été traumatisée dans le Notre Sauberry à cause des yeux marrons. Donc, maintenant, je n'en veux plus nulle part dans aucune de mes parties. J'avais rien contre ça avant, hein, mais... Je voulais qu'il y ait des beaux yeux qui se perpétuent avec les générations. Et j'ai été coincée avec les yeux marrons pendant... Deux générations? Ouais, enfin bref, trop longtemps à mon goût. Et j'ai dit, c'est fini, j'en veux plus. C'est pas grave, mon préféré, c'est le rouquin. Tu vas même pas voter pour ton Sims? Eh ben, dis donc. À voter, mais j'ai hésité. Tout va bien, y a pas de stress. Pour l'instant, je les mets pas en truc, parce qu'ils vont se... Ils vont se saumonner, là, ils vont partir. Ah, oh, pardon, j'ai dit ce saumon. Bref, parce que je voyais, j'avais l'idée dans le poisson qui se déplace et qui se faufile. Donc, mais il est moche le rouquin. Oh ah, il vous reste quelques secondes pour voter. N'hésitez pas. C'est maintenant ou jamais. C'est comme à l'église. Hein. Sinon, c'est vous taisez devant l'éternité. Devant l'éternité. Ouais, pour et devant l'éternité. Oh my god. Oh, le mec, il... Eh, rien à voir, mais regardez-moi cette tuerie, là. Oh, la vache, putain. Un cake au chocolat. J'en veux maintenant, tout de suite. Alors, le rouquin... Ah ouais, quand même. Le rouquin est arrivé top 1 de cette première manche. Waouh. J'aurais pas cru du cul. C'est où? Putain, je suis paumée, moi. Gérer les sondages. On va voir les résultats. Donc, le rouquin est arrivé en premier avec 47% des voix, soit 16 personnes. Huge! Alors, le rouquin, c'est lui, hein. C'est quoi son nom? Vlad. Huge est arrivé en deuxième avec 21% des voix, soit 7 personnes. Yann, oh! Yann est arrivé troisième avec 18% et 6 personnes. Logan, yeux marron. C'est lui et il a perdu. Et Eric a perdu également, parce que respectivement 9% et 6%. Et ben, ils peuvent donc rentrer chez leur mère. Voilà, cassez-vous de là. Nickel. Ah, oh, puis eux, ils sont là en train de dire, ah, oh, c'est nous les finalistes, regardez les beaux gosses. Ah, pardon. Ça me fait rire. Ah, ces tronches. Merveilleux, hein. Et merci beaucoup, Emily, pour ton follow. Bienvenue à toi. C'est vrai qu'on s'approche tout doucement des 3300.
J'avais zappé. Mais n'hésitez pas à follow, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et vous pourrez revenir pour d'autres contenus Sims et autres sur le Twitch. Ah, j'ai glissé, je vous les yeux marrons. Mais comment vous arrivez à ne pas réussir à voter? C'est pas compliqué quand même, les enfants. À chaque fois qu'il y a des votes, vous dites « Ah, mais je me suis trompée !» Comment ils font, Tyrion? Hein? Ils ont bu un coup de trop avant le live, hein, je crois. Bah, je pense que de toute façon, même avec, avec ton vote, il aurait pas gagné. Les deux préférés en premier. Ah mince, attendez, j'ai mis le... Wouh, le chat. Attendez, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Là. Le chat dans la gueule de Yann. Vlad, c'est moche comme prénom. Ouais, c'est un peu chelou. C'est un peu Vladislaus Vladimir, quoi. Je suis triste. Et donc, le sondage a été relancé pour savoir lequel de ces trois énergumènes, ces trois mâles, ces trois garçons, ah, il n'y en a qu'un seul qui a des pompes, sera donc le copain de Céleste, son futur mari également. Sur téléphone, l'écran remonte tout seul. Ah bon? C'est trop chelou. Tu cliques trop vite sur vite et hop. Ah oui, d'accord, ok. Eh ben, il faut prendre un PC. C'est la meuf. Vous regardez mes lives que sur PC, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Vous allez sur grand écran, vous pourrez vous poser comme ça, là, tac, tac, pépère, vous emmenez votre petit clavier, là. Tac, 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 tac. Tu dis, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? En plus, ça coûte moins cher au niveau des subs et des bits. Sachez-le. Le corps de rouquin avec la tête de Huge, et c'est le rêve. Ça va, il est... Ça va. Il a quoi, 2 kilos de trop, monsieur, là? Tu le fais courir et hop, hein. Alors que Yann, il est un petit peu plus empâté. Il a un petit peu plus de gras. Mais il a un tatouage. Bon, tu me diras, les tatouages, c'est facile à faire. Hein. Il voudrait quelques secondes pour savoir qui sera le mâle. Qui sera le mâle de notre céleste? Celui qui se fera tromper, celui qui fera le ménage. Qui sera? En même temps, les pompes pour la tenue de pain, ça veut dire qu'il nage en claquette. Exactement. Ça lui donne peut-être une aérodynamisme. Un aérodynamisme. Je suis sur ton challenge sur le PC. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu peux pas être partout. Ben, peut-être que ça me ferait 2 vues en plus. On sait pas. Et c'est Vlad le Rouquin qui gagne haut la main avec 42% des voix pour être le petit copain-pain. Attendez. Le petit copain de Céleste. Huge Calor, celui-là. Il arrivait numéro 2 avec 36%. Et Yann en dernier avec 21%. Donc c'est Vladu qui sera l'élu. Hop, et ben vous pouvez partir. Vous pouvez vaquer vos occupations. Et ma petite Célestine, tu peux aller niquer le petit là. En plus, tu le connais même pas. C'est parti. Bah GG Vlad, hein, tu as gagné. Est-ce que tu es content? Eh ben oui, il a l'air content. Ça me fait... oh, je dis, le jeu, il m'entend. Le jeu, d'ailleurs, mes abonnés n'ont toujours pas eu les 2000 euros hein, que j'ai demandé la semaine dernière. Faudrait peut-être activer. Hein. Parce qu'on me l'a réclamé. Hein. Oh zut, le rouquin gagné. Je suis désolée. C'est la loi du plus fort. Enfin, c'est comme aux élections municipales de la présidence. C'est malheureusement ceux qui ont plus voté qui font gagner. C'est comme pour faire réussir une youtubeuse ou une streameuse. Plus il y a de monde sur son live, plus vous faites en sorte qu'elle soit connue. Parce que ça donne plus envie aux gens quand ils voient qu'il y a du monde. C'est pour ça qu'il faut venir et qu'il faut regarder les vidéos. Tu gardes juste pour la... Ah ouais, tiens, Martial, pas faux. Et du coup, Vlad, c'est le Sims de quelqu'un. Ah oui, c'est quelqu'un qui me l'a fait, oui. Tout à fait.
Là, en vrai, je crois que tous les Sims que j'ai présentés étaient faits par vous. Ça a été fait par... Je les ai récupérés sur la galerie. Bien de sa tête, elle aime pas. Je redemande un vote. Alors, Nila. T'es bien gentille. Merde. Mais toi, t'as ton mec qui est là. Toi, t'es, du coup, il était hors catégorie. Pareil, celui-là, c'est quelqu'un qui l'a fait aussi. Mais il est hors catégorie parce que, ben, ils se sont dragués. Donc, bon, moi, j'ai envie de dire... Au moins, il a pas tout perdu. Le mec, il s'est dit, moi, je veux faire partie de la famille Rainbow. Mais faire le ménage toute ma life, ça m'intéresse pas. Du coup, il a choisi la sœur. Qu'est-ce que tu fais? Ah, se renseigner sur comment faire crac-crac. Et c'est là qu'il commence à la choper. Il dit, tenez, je vais te montrer tout de suite. Et il l'emmène dans la chambre. Non, ça marche pas comme ça. Les deux premiers sont de moi, je suis fière, j'ai bien bossé. Ah, voilà. Après, on va dire que j'ai fait les préférences. Ce qui n'est pas le cas. Parce que c'est vous qui avez voté. Aucune concurrence comme ça. Eh ben, GG Martialoux. Hein. Martialoux, bravo à toi pour cette élection. Ça va, il a pas froid. Hein. Ah oh, bah il complémentait la tenue. J'aime bien ton petit c'est pas un slip mais ma biche. Ma biche. Il est pitre. Bah dis donc, on va rigoler avec lui. Ça match hein, ça match. Je mets un peu de son ce genre. Mais c'est pour ça. C'est bien, on l'a su après, donc pas de préférence. Et oui. Mais moi, en tout cas, c'est certain que c'était vous qui les avez, proposés. Donc. Ah, attendez. Chouic. Je vais prendre elle. Tac et tac. Je vais faire... Là, ce qu'on voit son truc, et je voudrais. À moins que si je zoome comme ça. Pour la miniature! Évidemment. Ah, regarde, moi là, je vois une grosse bite avec une grosse paire de couilles en dessous. Et... Ah oui! Pardon. Eh! Je l'ai mis dans ma bio, hein, que j'étais vulgaire. Maintenant, vous êtes prévenus. Vous, si vous avez l'habitude. Oh, on a oublié Guillaume Girard qui avait l'air d'être un mannequin. Oh, et Philippe, Philippe Roy aussi. Bah oui, mais bon. Oh mon dieu. Il y en a, ils font peur. Il y en a, ils font peur. Salut Charlie, comment vas-tu? Je sais que le live a commencé depuis plus d'une heure, mais je voulais juste passer faire un coucou. Pas de soucis. T'es occupé avec tes cheveux. Eh ben, tes fameux cheveux. Je comprends. Du coup, par rapport à la conversation qu'on a eu la dernière fois. Et ben, pas de soucis, des bisous à toi. Bon, ça la divertit pas trop non plus. Hein. Mais t'as pas... Ton mec, il est encore là, Nila. Oh, ben Nila. Ton mec, il est encore là. Tu vas révéler le béguin. Il continue à avoir des cœurs, hein, alors que... Vous avez vu qu'il continue à avoir des trucs verts alors qu'elle était partie? Ah, je crois qu'il aime bien le snowboard. Partager Sims et Froch. Ouais, vas-y, tu vas partager des astuces. Et tu vas flirter. Ah. Ma petite, on va s'occuper de toi quand même un petit peu. Tu vas aller aux toilettes. Fin. Ouais, tu peux remanger un truc, tu vas regarder la téloche. Bon, il s'installe, hein. Tranquille, hein, il s'installe, lui. En même temps, hein. Va falloir qu'il va faire partie de la famille.
J'ai fait une décoloration, je sens une crème brûlée. Oh merde alors. Je voudrais qu'au moins elle se... Voilà, petite amie, ouais, comme ça, moi, c'est... Comme ça, c'est fait, hein. Oula, c'est quoi ce film? Oh putain! Il l'a peint, c'était devenu une gnome allongée sur un canapé, quoi. Oh! Il était tout moche. C'est très intéressant. Moi, ça me fait triper les films, hein, quand même. Ouf. Oh non, Dirty Dancing. Ah mais je crois que j'ai déjà vu cette fin, c'est complètement con. Ah non, c'est Ghost maintenant. C'est Ghost. C'est ridicule. Ah. Ah, c'est sale les enfants, regardez pas. Oh, c'est beau. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais oh, mais calmez vos hormones les ados là. Oh là là, y a plus rien qui va. Tu vas me prendre une douche et tu vas te coucher. Nila? C'est bon? Là, elle est en train de... Elle a une tête genre... Ouais? Alors... Comme ça, tu dragues ma sœur. D'accord, je vois. Bah oui, quoi, bébé? Elle est belle, ta sœur, ça te dirait pas un plan à trois? Vous savez que j'aime bien faire les discussions entre les Sims. Ça me fait rire. Une déclaration, ça ne se fait pas en une fois. Ça me donnera le meilleur résultat. J'utilise une poudre bleue pour décorer et trouver mon magasin. La tronche de Patrick. La tronche de Patrick. Pas de soucis, Camille. Alors, ben, grosse merde, hein. Grosse merdasse. Archi grosse merdasse à toi. Voilà. Oui, le alerte psychopathe aurait été parfait. J'y ai pas pensé, effectivement. Allez, offre une rose. Allez, emballe-le, là. Premier baiser échangé à côté du canapé. Il va se barrer ce trépied. Il faut que tu l'emballes. Oui! Ça, c'est super quand ça fonctionne déjà. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Dans Ghost, la tronche de Patrick. Ah oui, pardon, oui. Je pensais à l'autre Patrick, moi, tout à l'heure. Et toi, tu grandis quand, mon garçon? Mais c'est cool, il va devenir jeune adulte. Donc ça veut dire que c'est bon, elle est casée, hein. C'est ad vitam aeternam, là. C'est-à-dire qu'elle, elle va être jeune adulte dans pas longtemps. Et c'est super parce qu'elle pourra dégager direct. Sans le moindre effort. C'est nickel. L'autre Patrick était moche aussi, oui. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est dire que tous les Patrick sont moches? Ah merde, ça pue. Bon, c'est pas grave. La femme de ménage, elle fera le ménage. On la paiera pas pour rien cette fois. Sauf si lui, il fait le ménage. Ah, il va bouffer des trucs pour... Ah non, si. Ah non, excellent. Ok.
Pareil, lui, il commence à s'incruster aussi. Tu t'es trompé de fille, mon gars. T'as pas pris l'héritière. Je suis désolée pour toi, mais... Bon, par contre, tu vas rentrer chez ta mère aussi. Hein. Au bout d'un moment, on t'aime bien, mais voilà. C'est à qui c'est qui a oublié ses son livre? Bah oui, c'est pas à nous. Ça va rester là pendant 3-10 ans, super. Je suis ravie. Ah! Il y a Paps qui est debout. Paps qui va... Ouais, ça tu peux le faire. Non, c'est pas grave. Toi, t'es juste là pour passer l'aspirateur. Ah, y a rien. Bon, bah, c'est bien. Regarde la télé, va. T'as raison. C'est ta vocation, ça. Oh, bah, dis donc, ça pue ici, hein. Alors, elle est très bien, elle l'est moins. Tu vas aller manger un coup, ma cocotte? Alors, j'ai dit manger. Ah, bah oui, il y a ton père qui a le nez dans le frigo, donc forcément... Vous aussi, chez vous, vous interdisez d'aller... dans le frigo, parce que vous savez que votre mère, elle va se servir avant, entre le moment où vous avez décidé et au moment où vous y allez. Non? Dans les Sims, c'est comme ça. Hein. Bon, votre mère ou votre soeur, moi, tu vis seule. Ah! Ouais, mais comme on est connecté, c'est-à-dire que moi, si j'ai l'intention d'aller dans le frigo, tu n'as pas le droit d'y aller, hein. Tu le sais. Ah! Devinez qui est là! Coucou! Coucou le Twitch, coucou le YouTube, dis bonjour, dis bonjour, dis bonjour aux abonnés. Salut! C'est moi! Je suis sage, j'ai pas encore défoncé le sapin! Pas encore. Câlin. Des câlins. Petit câlin. Hein? Bon, allez, je me sauve, Dame Shirley. Je passais faire un coucou et je dois donner un peu d'attention à Souillon. Bonne soirée au gueux, bonne soirée majesté et bonne soirée au prince. Des bisous Charlie, merci pour tes 70 bits. C'est qui Souillon? J'ai déjà oublié que c'était Souillon. Les gueux. Alors les princes, ah oui, il y a eux. C'est les princes dauphins ça, mais il y en a qu'un sinon dans mon cœur, évidemment. Ah, il faut que je fasse les mots de Jamie aussi. Faudrait que je me bouge pour faire ça. C'est fou comme il a grandi, bah ça, hein. C'est de la bonne grosse bestiole, hein. Mais il n'y en a plus pour longtemps, maman. C'est qui? Dans mon cœur? Bah, c'est Tyrion, évidemment. Mais non! Hé! Hey! Qu'est-ce qu'on rigole? Il a grandi, mais c'est devenu un grand couillon. Ces derniers jours, il est très, très, très câlin. Très mignon. Très, très gentil. Bon, il fait toujours des conneries. Enfin, des conneries. Dans le sens où il continue à sauter sur le dos de Tyrion. Mais pas qu'un peu. Hein. Il y va, il prend de l'élan et puis il saute. Hein. Mais non, Germaine, on a une femme de ménage qui va venir. Si tu t'ennuies, je sais pas, moi, occupe-toi de tes fesses. On va prendre une douche, j'en sais rien, moi. Il en fout pas une. Allez, vas-y, passe aspirateur, tu serviras à quelque chose. Donc voilà, la grosse bestiole, là. Hein? Ah ouais, Jamie. C'est Jamie, non?
Sinon, c'est un chaton que ma sœur a trouvé dans la rue. On s'occupe de lui quelque chose avant de être emmené dans un refuge pour chats. On doit être regardé parce que notre papa ne l'a pas encore vu. Souillon parce qu'il est un peu cracra et qu'il a les poils longs en mode serpillard. Oh, trop mignon, je le veux. Bon, les garçons, vous voulez un autre petit frère ou une petite sœur? Quel enfer. Tel Daenerys, il me faut avoir trois dragons. J'en ai déjà deux. Elle vient d'adopter deux petites sœurs. Bref. Qu'elle va encore les foutre, je sais pas où. Bon, et ben voilà, mon petit... comment il s'appelle déjà, lui? Mathias. Non, on a une femme de ménage qui va arriver. Tu la laisses faire taf, quand même. Elle va rien foutre. Il y avait plein d'assiettes sales. Il y en a plus. Voilà, bah les... Voilà, elle repart toute déprimée parce qu'elle se dit qu'on n'a pas besoin d'elle. Regardez-moi ça. De toute façon, c'était sûr qu'ils allaient me virer. On fera une chemin. Moi, je voulais faire mon travail et ils m'empêchaient de faire mon travail. Ils me font déplacer alors que j'ai 95 ans. En plus, dans une mini-jupe, je ressemble plus à rien. Et en plus de ça, on peut me travailler. J'en ai marre de la vie, moi. Je vais me suicider aux petits Suisses. Bande de chiens. C'est vraiment pas cool. T'es toujours là? Tant mieux là. Moi j'ai le casse-couille qui est là. C'est-à-dire qu'il y en a, ils débarquent, ils disent c'est quoi cette grosse peluche qu'elle a sur... Pourquoi elle se tape son char là sur l'épaule là? Petit Suisse, bah oui. Mais moi je dis toujours ça, hein. Je dis je vais me petit suicider. Parce que petit Suisse, tu vois. Donc je vais me petit suicider. Voilà. Hein? Ah ouais, vous êtes même plus obligé de rencontrer des gens en fait. Ah, et un peu plus, le premier baiser. Le premier baiser. Échangé. Derrière le. Canapé. Et c'est le même film. C'est déjà en replay. Attention. Et là, oh qu'il est moche, hein. Salut Guillaume, comment vas-tu? Ah, c'est marron, mais vous l'entendez aussi? Poudre décolorante bleue. Oxydant crème. Oh putain. Compliqué, hein. Alors, le stagiaire, on va lui faire faire le café. Gain de performance moyen. On n'a pas que ça à foutre que de regarder les films, hein. Maintenant que nous avons notre petite amie. Enfin. Pas encore, mais. On peut t'aider, hein. Ni là, un jour. Bon, on va essayer de passer vite les jours. Il faut que Céleste, elle garde contact avec Vlad. Est-ce qu'on garde son prénom ou pas? Est-ce que vous voulez garder le prénom ou est-ce que vous voulez changer le prénom de Vlad? Eh ben, sondage. C'est mon Sims. Ouais, c'est compliqué comme nom. Tu veux pas qu'on l'appelle Martial? Oh. Oh là là, qu'il est méchant. On a eu le goût de la merde. Quoi? Il s'appelle pas Paul? Quoi, tu voulais qu'il s'appelle Paul? Et vous, Paul? D'où vous est venu ce goût de la merde? On va l'appeler Martial! On
On a eu... Mais non, on n'a pas eu Paul, pas dans le Notsuberi. Pas dans le Notsuberi. C'était dans le Legacy, c'était autre chose. Ah, mais j'oublie qu'on n'est plus en, en vitesse 3. Je vois pourquoi d'ailleurs. Ah, oh, tiens! Opaline! Opaline! Hey, tu me mords, toi! Et regardez-moi cette saleté là. Il m'agresse. Non! Non! Jamie! Non! 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 Bah, tu réponds pas là. Je crois qu'il a pas aimé. Non. Il est énervé. Un jour, il va m'arracher le pif. Arrête avec ta vieille patte là. Allez hop, dégage. Pas déconner non plus. L'école c'est nul. Qu'est-ce que c'est l'école? C'est nul. Exactement. Alors, on va. Oh, mais qui suis-je? L'empathie. Oh là là, bon. Alors, first of all, you're gonna peace, please. And you're going to go on. Yes, you're to go on. Very specific. Tu vas prendre un bain de mousse, toi. Oh là là. Si en plus tu pues. Quand elle a vu que je m'étais décoloré les cheveux, elle a fait une tête comme. Je précise, je suis majeure. Oh, mais t'inquiète. Un prénom Syl. Taïen. Va pas. Alors, ok, Jeannette, j'ai compris, on va aller... tu vas servir le dîner. Boulette de viande à l'italienne, vas-y, ça me fait rêver en ce moment, ça. Bonne nuit, Oniri, ciao, ciao. Exactement, Guillaume, je me suis un peu trompette. Je dis go on au lieu de go on. Mais... Comme the show must go on, ou my heart will go on. My heart will go on. Titanic. Oh, ça va, hein, elle se démerde avec son poivre, elle. Hein. Des poivrons. Un poivron jaune qui devient rouge ensuite. Dans la casserole, évidemment. Allez, vocalise. Ah, c'est parti. Des bisous, Charlie. Elle se débrouille, hein. Par contre, moi, je fais pas autant de manières, hein. Je fais pas des... Puis je fais pas tourner ma casserole, parce que c'est un coup où il y a tout, il y a par terre, hein. Enfin, bref. C'est bien My Heart Will Go On, de Céline Dion. Oh, Céline, c'est René, Céline. Ça ferait une bonne vidéo YouTube, tiens, ça. Je cuisine comme dans les Sims. Et puis... Ah, il y en a plein par terre. Oh, dis, tu vas te calmer tes ardeurs, hein. Tu vas regarder la télé, vas-y, casse-toi. Ouh. C'est quoi ce que tu vas faire, toi? Tu vas courir te vider l'esprit, ça te fera les pieds. Tu peux aller regarder la télé en même temps que tu manges ou c'est trop complexe? Oui, c'est pour ça que je t'ai demandé d'aller regarder la télé.
Oh là là. Alors, comment va ton futur? On voit un SMS seulement. Ça a des SMS tristes, c'est pas terrible. Et tout finit à terre. Je t'imagine pas le bordel après. Faut appeler une femme de ménage après. Oh là, mon dieu, ma pauvre, tu as cassé ton ordinateur. Mais... Mais non! J'arrive pas à cliquer. Mais toi, je t'ai demandé d'aller courir en fait. Deux fois même. Et sûr, t'as même pas fait 5 mètres. Pire que moi. Moi, je cours 2 m50. Je suis essoufflée. Pas possible. J'ai même pas besoin de courir d'ailleurs. Juste marcher, je m'étouffe moi. Ça suffit? Ah ouais, d'accord. 18h20, c'est pire que moi hier, quoi. Toi, t'es... 18h20, ça va se coucher ici. Nawak. Nawak. Des prêts. Tu vas aller faire des photos? Qu'est-ce que tu fous derrière, toi, Gogol? Ah, Jamie. Non, il s'attaque pas encore au sapin. C'est déjà ça. Oh là! J'étais en train de... Qu'est-ce que tu fous, toi? Je te vois avec tes yeux, là. Avec tes oreilles en pointe. Qu'est-ce que tu fiches? Si tu casses, tu payes. Comme t'as pas d'argent, tu paieras de ta vie. Oh! Ça fait du bien de se lever, là. Coucou. Pour admirer mon incroyable décor de Noël. Que vous ne voyez pas, évidemment, avec ce magnifique sapin, une magnifique couronne, que vous ne voyez pas entièrement, un petit cerf, une boujax, une guirlande, normalement, aussi. Puis là, normalement, il y a une chaussette. Il y a une chaussette. Mais vous la voyez pas. Alors, tu vas prendre une photo. Photo. Ah bah voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Wow, 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 wow. Oh. Oh. Oh, niveau 3 de la compétence photo. Ça c'est beau. Ça c'est beau, 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 beau. C'est le mode déprime en même temps, ça c'est bien la génération bleue. Oh, le selfie de la tristesse. Ouais. On dirait, ce serait pas la première à se mettre en scène. Oh là là. Oh bah dis donc, quel plaisir à jouer avec elle bientôt, hein. C'est ça notre héritière qui chiale pour rien là? Eh ben, on n'est pas sorti de la fusée, moi je vous le dis. De la fusée? Ouais. Tu vas aller là? Parce que j'aime bien la couleur de l'arbre. Oui, bah c'est bon, on a compris que t'étais triste. Ah bah dis donc, il était temps. Voilà. Oh, c'est beau. C'est un peu trop près, mais c'est beau quand même. Voilà. Schmutz. Schmutz. Schmutzenblut. Schmutzenblut. Ja. Verstehst du? Schmutzenblut. Faudrait qu'on lui achète un meilleur appareil photo quand même. Ah, il reste une. J'étais en train d'attendre que ça revienne à la normale. Oh, tout va bien, tête de chien. Attention. Jamie?
Non. Jamie. Petit merde. J'ai des yeux dans le dos, hein. Fais gaffe, toi. T'as vu ça? Je voulais mettre un filtre. Ah, oh. Oh, 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 oh. Très bien. Il me semblait qu'on avait pris un appareil photo pour elle. Puis il est là. Mais je suis... Jamie! Tu veux une claque? C'est gratuit. Dégage! Wow! J'en peux plus de ce chat. M'agace. J'ai vu la petite page. Je veux dire la paire de pubs. Non, c'était la page de pub. Je l'ai bien vue. Je vais vous balancer donc une petite page de pub pour que vous puissiez, sans rien faire, me donner de l'argent. Si vous êtes sélectionné par Twitch, donc n'hésitez pas à me mettre un petit message dans le chat pour me dire oh combien vous êtes heureux d'avoir une pub à la place du stream. Et ça me fera extrêmement plaisir. Je vous remercie déjà par avance. Merci beaucoup. C'est incroyable. Quel soutien à toute allure. Voilà, comme ça, on a fait des photos. Parce que je me dis, après, on pourra peut-être décorer sa future maison. Future maison. Oh! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, c'est le deuxième fils? Ah oui, bah non, alors... Ah, puis alors, les yeux marrons. Ah, mais c'était, j'avais pas capté que c'était le deuxième fils. C'est le frère de Logan. Ben, Logan était mieux, quand même. Et le père est encore 10 fois plus mieux. Oh, pas être méchante, hein. Et rentre chez ta mère, toi. Merde. Oui, non, j'ai confondu. Je veux dire, j'ai pas bien cliqué. Et je vais balancer la pub. Hop. D'ailleurs, le sapin, on le reçoit demain, normalement. Par contre, j'ai un peu peur que le chaud s'attaque au sapin. Pire, je mettrai un grain des bouts plus haut. Ah bah, il y a des très, 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 très grandes chances que le sapin prenne un petit peu dans la gueule. Hein, je veux pas te le cacher. Est-ce que t'as le droit de l'engueuler? J'essaie de la réconforter, mais tu vas l'engueuler, non? Poser des questions sur la phase. Non, t'as pas le droit de l'engueuler. C'est trop nul. Genre, les ados dans la vraie vie, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent parce qu'après ils vont dire « Non mais je suis dans une phase, d'accord hein. ?» Et salut Manon, comment vas-tu? Bienvenue. Attaque de sapin puissance. Ah ouais, mais ça fait au moins 24 heures qu'il est là. Hein. T'en peux plus, toi, de faire des conneries. Hein. Qu'est-ce que tu planifies de faire, là? C'est ça, frotte-toi au pchit-pchit quand tu l'auras dans le pif. Ça va au moins te faire du bien. Non mais elle est... Bon après elle est claquée elle. Non tu vas pas dormir meuf, hey, oh, oh. Mais pourquoi t'es triste? Y a personne qui est mort encore. Hein. Surtout qu'elle joue avec tout genre, mon chausson, le tapis, un sac à dos. Bah oui, mais c'est des bébés, hein, ça fait n'importe quoi. Je vais à la fin rediff, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, Taylanor, des bisous. Bon, on va au moins arriver à l'anniversaire de Nila. Ça, elle se... Hein? Elle se taille. Ben voilà, regarde, elle est concentrée parce que maman est en train de l'aider, c'est magnifique. Et t'as besoin de te mettre à chaque fois sur les genoux pour faire tes devoirs en fait. Elle est fatiguée, bah ben oui, ben. Voilà, la responsabilité va dormir maintenant. Ça, tout le monde. J'ai même pas encore enregistré. Oh, imaginez mon truc, il plante maintenant. Au pire, j'attache le sapin avec de la cordelette. J'aimerais bien voir l'arnachement.
Mais elle est trop mignonne, elle a fait son premier WAF aujourd'hui. Ah là là. Oui, c'est l'anniversaire de Nila. Cool. Oui, oh bah. J'ai même pas vu, moi, je les vois même plus les événements, ça devient grave quand même. Je les vois même plus popper. En fait, quand je me mets comme ça, vous me voyez plus. Bon, vous, c'est que ça doit faire du bien de me voir. Je vais faire une nouvelle journée à rien foutre. Je me lève à 5h du matin samedi parce que je ne fous rien de ma vie. C'est beau. Soyez, vous aussi, trouvez-vous une belle héritière dans le Notsobéry, mariée, même pas mariée, regardez. Faites-lui juste des gosses et puis vous vivrez. Bon, la seule chose que vous devez faire, c'est un petit peu la cuisine avant que vos propres enfants soient capables de le faire. Et aussi le passage aspirateur. Et vous pouvez vous la couler douce tout le reste du temps. C'est pas beau ça quand même? C'est pas beau? Ça fait du bien de te voir sans tes lunettes, hein, Jacqueline. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'était la poubelle qui est ramassée. Et dès qu'elle cuisine un truc, ça pourrit. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, il y a quelqu'un qui s'est amusé. Après, on va avoir des plans de poubelle, ça va être super. Mais alors, elle est dans un état. Ma petite Nila. Dernier matin avec nous, après tu te casses. Hein. Tu t'en vas très loin. Sachant que son mec... Comment ça, ado? Ah bah non, Jacqueline. 13/13. Oh merde. Non, c'est pas grave, on va l'inviter et puis s'il faut, on le fera vieillir. Hein. Mais tu sais pas manger, pisser plutôt? Manger. C'est ta sœur qui va faire à manger, à faire le petit déjeuner. Servir le petit déjeuner du pain perdu. Est-ce qu'on va le retrouver? Vous le saurez après la pub. Tu me fais bailler. Sans ses lunettes et sans son slip aussi. Ah, c'est un slip de qualité, hein. Non, alors, tu vas pas manger du crabe un matin, hein. Alors, si tu pouvais mettre une pointe de crabe, moi, ça me va. Oh. Oui, ben, ce sera pas pour maintenant, le crabe. Hein. Je dis pas en fin de journée, mais... Un petit déj, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Lui, tu vois, il dit, eh, le crabe, c'est dégueulasse. Ben, va pisser, Jeannette. Attends, c'est elle qui a vibré ou c'est moi qui vibrais? Pourquoi je vibrerais, moi? Comme eux-mêmes. De toute façon, je vous laisse comme d'hab demain, debout très tôt. Désolé, pas de soucis, la drôlesse. Alors, à demain peut-être? Demain, live exceptionnel, parce qu'on va regarder le Nouvelle Kikits à 20h. Donc, ça peut être très court ou pas, on verra ça. Bonne nuit en tout cas. Viens ici, toi, Gradug. Gradubide. Viens là. Ah, allez ronron. Oh maman, je fais tellement de conneries. Je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux quand je suis avec toi. Surtout quand je fais des conneries et que tu m'engueules après. Hein? Attends, Pomme, elle est seulement niveau 6 de l'éducation. Je me suis trompée de fille. Va pisser, ma cocotte. Ah, ouais, t'as pas fini en plus. Xenow. Ah oui, puis après tu feras le gâteau d'anniversaire de ta sœur. Je suis pas sûre qu'on en... J'ai cru qu'il envoyait ça à sa fille, j'étais là... What? Qu'est-ce qui se passe que je ne suis pas au courant? Il y a des murs bizarres dans les Sims. Ah bah non. Ah d'accord, il nous reste que... 2 bouteilles de lait. Ok.
qui vient bien sûr de notre vache que nous n'avons pas. Est-ce qu'on peut faire le gâteau bleu? Je suis pas sûre. Non, on peut pas encore faire le gâteau bleu. Mais ce sera un gâteau rose. Voilà. Regardez-moi ça. Petit bout de queue. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas mangé mon fauteuil, non? Ah non! Alors il adore bouffer, c'est mes boutons de gilet. Complètement con ce chat. Je sais pas quoi il a été fini, mais il est pas normal. Ah, dépêche-toi, Jeannette. Hein. On a plein de trucs à faire ce matin. Mais je t'ai pas demandé de nettoyer les chiottes, gourdasse! Mais qu'elle est con! Je lui ai demandé de se laver! Bah ben voilà, la preuve. D'accord, ok, très bien. Tout ça pour dire. Ah, mais je pue, dis! Et toi, des Sims! Je pue! Et je te dirais, bah oui, je sais, je t'ai demandé de te laver, tu t'es pas lavé. C'est pas mon problème. Ah! Ah! Il y a Jess qui était là. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Une représentation gratuite de Cruella? Bon, je sais pas. I don't know. Je sens qu'elle a reperdu un petit peu, mais c'est peut-être qu'une impression. Allez, vas-y, va courir un petit peu. Tu vas devenir une belle jeune femme, ma petite Nila. Et après, tu te barres avec Sean. Qu'on invitera, et puis s'il est pas jeune adulte, eh ben, il deviendra. 20h, c'est ça. Oui, pas de soucis. Oui, c'est ça. Pas de soucis. Comme eux-mêmes, ouais, comme eux-mêmes. Bonne nuit, Guillaume! On va se faire dessus, mais non. Salut Lisgug, comment vas-tu? On essaye de... Ah bah tiens, il est là son cum. Brrr. T'as vu, il fait nuageux. Et puis même pas, elle s'arrête pour lui dire bonjour. Tu sais, elle continue, elle trace. Son cum. Genre de truc, voilà, c'est de l'huile ou du lait, je sais pas ce qu'elle y fout, mais alors elle se faire ban. My god. T'imagines dans la vraie vie? T'es chiante avec ta face, toi, hein, je te le dis. Hein. Ah? Mais qui donc? Bah. Laurent Scott? Mais est-ce un enfant de Sarah et Simon Scott? Oui, tout à fait. Tout à fait, ils ont eu un petit enfant et le petit enfant, il est là. C'est pas moi qui l'ai fait faire, hein. Ils ont fait ça tout seul comme des grands. Mais bon, après c'est un voisin, donc pourquoi pas. Non. Pourquoi tu vas... Non. Mets les Boujax pour ta sœur. Ton anniversaire. Oh tiens, tu t'en es remis, ma petite, ma vieille Agnès. Oui, je... Oh, ça va. C'est du yaourt. Je fais du yaourt Sims, moi. Bon, et ben, allons-y, allons-o, l'anniversaire. Oh. T'es chiante, toi. Alors, pas consulter. Organiser un événement social. Je sais pas ce qu'elle s'est... elle s'est perdue, notre petite Nila.
Alors, on va inviter qui? On va inviter papa, on va inviter la soeur, on va inviter maman. On va inviter tata. On va inviter cousin, cousine, copain. Ça fait pas beaucoup de monde tout ça. Ça fait vraiment pas beaucoup de monde. Oh, et ça va, c'est... Petit comité. La résidence, rien de beau. Ta-ta-ta-ta-ta. Ah, j'allais dire, c'est ça ta tenue? Mais oui, c'était une des nouvelles tenues quand on l'avait relookée. La maison, c'est ici. Voilà. Ouais, la cousine. Oh, la cousine, elle s'est mise aux couleurs. Non, tu participes pas à la génération bleue, hein, mais c'est gentil de t'être lookée et coiffée en bleu. C'est zontille. Oh, elle est trop mimes. J'avais oublié. Ouais, par contre, elle est vénère, on dirait qu'elle va tuer quelqu'un. Elle est trop choupette avec sa petite robe à pois pois. Tu vas jouer en ligne. Oui, en ligne avec ta cousine, mais t'as pas de valeur. Tu peux même pas jouer avec ta cousine, elle est même pas là. C'est quoi ce délire? Elle est même pas dans la liste. Oh non, les toilettes, il est cassé. C'est chiant, les toilettes qui sont cassées. T'es bien jolie, ma cocotte. Oh, regarde qui est là. Il est toujours ado. Par contre, il est blessé, le pauvre. Hein, il est blessé. Oula, oula. Attention, il y a Opaline, le bulldozer qui débarque. Mais elle connaît pas. Alors toi, au lieu de te rester collé sur ton ordi, tu peux venir dire bonjour, je sais pas. Et apprendre à connaître ton futur gendre. Comme même. Et puis inviter ton frère. Elle connaît pas le Hulk. Merde. Elle connaît pas le Hulk. On va inviter Alexandre. On va inviter le Hulk. On va inviter Raoul aussi. Bah oui, c'est ça. Et Jess. Allez, hop. Ah, on fera de plus de monde à la maison, tout ça. Voilà. Donc, tout le monde fait connaissance. Toujours pas... Oh, c'est la foire. C'est la foire de Finchwick, regardez. Oh, c'est tout est apparu. La foire des légumes géants. Et des... Je sais pas. On verra bien qu'il y aura des participations, écoutez. Oh, par contre, elle pue. Mais sérieux, t'as pas honte? Prendre une douche par contre. Bon. Va te laver. En fait. Voilà, voilà. Bon, en le temps, Pom invite le reste de la famille parce que bon. Je vais dire, vous êtes très discret d'un coup quand même. Il y a une de ses dégaines, comment il est gaulé, c'est un cure-dent avec un pot de def quoi. Il fait peur. Non mais regardez son corps. Enfin, on va encore me dire que je suis body shaming, mais bon après c'est du Sims, hein, faut pas. Mais je sais pas, il est chelou. C'est bizarre. Toujours faire à manger pour les gens. C'est bon, t'es remonté? Ah bah c'est bien. Pour discuter avec les autres gens de la famille qui sont venus, tout ça. T'es descendu de... T'es descendu.
Tu vas te changer parce que t'as une jolie tenue quand même. Je voudrais juste que tu t'habilles bien pour ton anniversaire. Puis voilà, essayer de se calmer. Voilà. Remercier d'être là. Par contre, ils viennent quand Bah tout le monde quoi. Tout le monde sent Carl Fion en fait. Il est trop laid. Bah c'est gentil ça. Non, il a un très beau visage. C'est juste que... Enfin, c'est au niveau du... Après je pense que c'est aussi le look. Hein. C'est... Peut-être qu'il est pas aussi moche, hein, mais... Entre le look, tout ça, bon. Ouais. S'enthousiasmer à propos des gars de salle. Mais y a personne qui vient. Mais c'est quoi ça? T'invites des gens ici. Mais c'est une honte. Raoul, il est là. Il s'est même pas déplacé. Bon, il n'y a personne qui participe. Ah si. Oh, c'est beau. C'est une belle bête. Hein. Oh, elle est moyenne. Hein. Elle n'est même pas grosse encore. La famille des cucurbitacées. Souvenez-vous de Jacqueline Cucurbitacée. Oh, faudrait qu'on la retrouve là. Faudrait qu'on continue. Hein. Ah, youhou, le bug. Super. On aime ça, nous, les bugs. On aime ça, les bugs, nous. On adore, on en est tous fous. Des bugs, ouais. Salut Fanny, comment vas-tu? Je suis en sous-main depuis le début. Tu pourrais inviter le mec de l'héritière. J'ai oublié son prénom. Tout à fait. Je le puis. Est-ce qu'il va venir? Ça, c'est une autre question. Mais je le puis. Oh! Quand est-ce que tu viens? Oh, un jeune homme respectable, mon cher. Tu n'es pas encore fêté ton anniversaire. 14 sur 13, là. Allez, Jean-Claude, il est temps, là. On va le fêter son anniversaire à lui. Faire vieillir Sim. Sean. Allez, la chaunasse. La chaunasse. Salut, Ourdine, comment tu vas? La chaunasse. Tout le monde s'est barré, c'est... Mais quoi est-ce que vous foutez dehors, en fait? Viendez discuter ici, la 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 la. Ah, bah Yves le v'là, le cousin. Ça fait plaisir. Ouais, elle l'avait jamais connu. Hein. Le Hulk, il s'est même pas déplacé, il fait... Oh, oh, c'est elle là, ouais, non, je n'aime pas cette fille là. Tu m'appelleras que pour l'héritier. Eh ben voilà, il a grandi, X. Bravo, Sean. T'es devenu un homme. Non. Quoi? T'es gêné parce qu'il y a une chaise. Non, mais t'as pas bien dans ta tête, toi. Hein? Ah non, une. Mais fais pas le coup comme. Hein? Ah, c'est bon. Nila, ni 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 la la la, ni 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 la la la, ni 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 la la la, ni na la ni na na. Allez, viendez tous, on va fêter l'anniversaire. Nila. 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 Pardon? J'ai déjà vu des chats préparer des tartes plus impressionnantes que celle-ci. Une tourte au poisson. Tarte au citron meringuée et une tourte au poisson. Oh, il y a des queues de poisson qui dépassent. Oh. Ah, moi j'en bouffe pas de ça. Moi perso, ça... Ça peut être très bon, mais alors, avoir la queue du machin qui dépasse, c'est mort. Oh, je cherche une petite, ça. Petite citrouille, hein, qualité excellente.
c'est pas la grosse foire à neuneux, hein, ici, c'est... Allez, venez tous vous asseoir. Et toi, tu vas souffler tes boujax. Et burk burk. Est-ce qu'on te parle avec cette voix, on dirait une mamie. Une mamie? Quelle voix? Non, c'est ma voix normale, non? Nabi! Oh là 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 là. Ça déconne, rien ne fonctionne, ça déconne, rien ne fonctionne. Oh, tu vas pas te laver, tu vas t'asseoir, ton gros derche. Papa, maman, sœur, il est l'heure de fêter l'anniversaire de Nila. La voilà. Profitez-en. Elle ne restera plus. Bien pour longtemps. Bien pour longtemps. Non, ça c'est Nichon. Allez! Bon anniversaire, hein! Faut bien qu'elle vous vante cette nuit, hein. C'est plus rigolo comme ça. Happy birthday, Nila! T'es plus vieille, tu restes pas et tu changeras de maison ce soir. Dégage. Alors, vu qu'elle n'est pas notre héritière, je vais faire au pif et ce sera 1, 2, 3. Ambitieuse, morose et perfectionniste. Eh ben, bon courage à toi, Nilat. Appelez à table, tout à fait, poète poète pour Nila. Bon anniversaire à elle. Il y a quelque chose qui a pourri, c'est ça qui a pourri? Oh merde, c'est le pain perdu qui a pourri. Ah ça, alors par contre, fêter l'anniversaire, tu peux te brosser Martine, hein, comme on dit. Mais pour bouffer du gâtal, ça me tue. Il y en a toujours 15 000 des Sims, genre... tout est normal, quoi. Oh, il y a du gâtal à becter, hein. Alors, tu vas quand même faire connaissance avec ton futur beau-frère. Comme ça, on le reverra. Parce que Nila sera toujours invitée aux événements familiaux. Mais lui, si on l'oublie... tu as du retard sur la lecture. Oui. Comme vous dormiez, j'ai moins regardé, j'avoue. Ouais, moi, ça, elle a ses hormones en chaleur, la pauvre. Alors, je l'inviterais bien à rester dormir, sauf qu'il n'y a pas assez de lit. Ah, salut chérie, ça y est, maintenant on est des grands, on peut faire des trucs. Il n'y a pas de placard ici, hein. J'ai pas mis de placard dans cette maison. Non, j'ai pas mis de placard. Alors, pas de crac-crac dans les placards. Oh. 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 Non, t'as la douche. C'est pas fou. Oh là là, ils sont amoureux. Amoureux pour la vie. Amoureux dans la vie. Tiens, on va le demander en mariage. Ça va peut-être marcher sur un malentendu. Yves, yeah, j'ai cru qu'il allait dire non, hein. Oh, 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 ils sont mignons. C'est l'amour. Ils sont amoureuses. Petit crac-crac dans la douche. Petit crac-crac dans la douche. Allez, puis après tu feras ta vie, hein. Tandis que Pomme fait le ménage. Céleste est partie se coucher. Eh ben, c'est... Mais il est jamais venu, Vladi, hein. Ah non, il est jamais venu. Mais bon, ça, est-ce que ça m'étonne encore? J'ai l'impression que les trois quarts des Sims, on les invités dans leurs événements, ils viennent pas. Hein.
Il se déplace pas. Ou alors peut-être qu'il se déplace mais qu'il se balade loin de là où tu veux qu'il soit. Donc ça sert strictement à rien, mais c'est comme ça. C'est la vie, moi, pauvre Lucette. Alors, qui c'est qui va gagner? Ah bah, c'est peut-être elle qui va gagner. Non, non. Ta jacket? Bah, elle a pas Ken. Je vais demander de Ken. Bah. Bah alors. Dis bien aussi. Tu pourras pisser sous la douche en même temps, ma cocotte. Ça te dit de faire une visite dans la salle de bain hein? J'ai un truc à te montrer sous la douche. Ah oui, ça va mouiller hein? Elle a vu un coup? Elle a bu un coup? Ou elle a vu un loup? Elle est ta fille! Voilà! Sexy, sexy! Bon, Pomme, si tu veux pisser, tu peux aller en bas. Hein. On a deux toilettes, faut en profiter. J'allais dire, lui, on dirait qu'il est en train de mater sa cousine, en train de... Alexandre Rimbaud. Non, tu vas sûrement pas aller dans la douche, mec. J'allais dire, c'est un petit peu occupé, là. Allez, un petit pipi. Ça s'est bien passé, tout embué. Première séance de crac-crac, et c'est spectaculaire. Carrément. Ah, dis, il a roté, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, là, le mec. Il a roté comme ça, là. Elle connaît même pas ses traits. Oh non, elle me casse les chiottes. Je veux dire, quoi, ça? C'est quoi, ce garçon, là? Avec qui vous me l'avez casé, là? Genre, c'est vous qui l'avez fait. Non, c'est eux, ils se sont vus. Ils se sont pécho, quoi. C'est dégueulasse. Ouais, alors là, hein, c'est même pas moi qui ai roté. C'est lui qui a roté tout seul comme un gros dégueu. Sans coca. C'est dégueulasse. Ouais, je suis d'accord. J'ai trouvé ma moitié. Ah non, 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 j'ai un si. Mais c'est pas un Sims. Et salut Nesquikwik. Ah, j'adore ce pseudo. Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi. Nesquikwik. J'ai envie de voir s'il est crasseux ou un truc dans le genre. Après, même Cécile, il nous avait fait un rôle de la mort comme ça sans aucune raison. Alors qu'il n'est pas crasseux, quoi. Il est maladroit. Salut Mercure, comment vas-tu? Bon, et donc? Conversation profonde. Bah salut les cousins hein, qui ont élu quasiment domicile à la maison, là. Ouais. Il est crasseux, on est d'accord. Il est crasseux, voilà. Mon doute s'est confirmé. Par contre, avant qu'il se casse, c'est toi qui vas te barrer avec lui? Allez, adieu Nila hein. Adieu, j'enregistre quand même au cas où, hein, parce que... Mais Nila s'en va, s'en est allée. Reposer loin. Eh, sinon, je peux venir habiter avec toi maintenant qu'on est des grands garçons, filles. Ah oui, c'est vrai, j'allais dire merde, ils vivent ensemble. On dirait des jumeaux. C'est trop drôle. Allez, Nila, bonne vie à toi. Et puis en plus, tu seras avec Yann. Alors, si t'as envie, fricote avec lui. Oh, ça fait beau, toutes ces couleurs. Vert bleu roux et roux noir bleu. C'est beau. Ah, ça nous déménage, je m'en doutais. Ça va bien, Mercure, merci. Roduit Nesquikwik. Oh, j'ai Titi qui fait dodo, il est trop mignon, je peux pas vous le montrer.
Faudrait que j'ai une cam 4. Une 4 cam. Alors c'est là que va habiter ma petite Nila. Alors nous avons que une chambre. Bon, elle est mignonne. Une chambre et elle va devoir partager avec Yann et son chéri. Et ben, leader de longue date, avoir 10 foyers dans le monde qui ont été utilisés pour jouer au moins 10 générations. Ah ouais? 10 foyers dans le monde qui ont été utilisés pour jouer pendant au moins 10 générations. Bah écoutez, c'était pas mon but, petit jeu, mais j'ai débloqué. Voilà. Photo via Instagram. J'ai encore rien suivi. Pff, je me fatigue. Je pense qu'on va s'arrêter là. Comme ça, on repart sur une base de... voilà. Prochaine fois, on la case vraiment, hein. Bisbis, tout ça, hein. Alors, mon petit Jean-Claude, tu vas jeter ça, toi. Il est 1h du matin, tu vas dormir. Et puis, bah, toi, tu vas... aux toilettes, tout à fait, ma belle. Quoi, c'est mon héritière, j'ai le droit de dire ma belle. Quand on aura fini avec elle, eh ben, on s'en foutra, non. Mais c'est vrai qu'elle est toujours pas sortie avec lui, hein. D'ailleurs. Il reste 3 jours, ça va. Moi, quand j'ai fini de faire mon pipi du soir, que j'ai perdu 200 grammes. Hashtag vie saine, hashtag je pisse et je perds du poids. Vous aussi, pissez et perdez du poids. Bonne nuit. Ah, tu possèdes pas cet objet. Super. Ouais, lui, il a rien à faire de sa vie. Il dort tout le temps. Je vous dis, hein, il a une vie très compliquée, le pauvre. Waouh ! Et puis la poussière est revenue. Et ben nous, on va s'arrêter là. Avec notre petite Céleste qui veut à l'aube de devenir jeune adulte. Donc dans le prochain live, on la case avec son mec. On fête son anniversaire, dans les grandes lignes. Hein. Et puis on s'apprêtera à déménager pour entamer la vie d'adulte. Donc, c'est-à-dire bébé, tromperie, tout ça. Et carrière, parce qu'il y a la carrière aussi à faire. Voilà, moi je vous fais des gros bisous YouTube, j'espère que cette petite rediff vous aura plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à commenter, liker et partager la chaîne comme d'habitude. Et vous-même dans le chat, n'hésitez pas. Hein. Les deux chaînes, Twitch et YouTube. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.